tout au Paris si ça bosse. Si ça rafale, c'est la ganache, la confiance ça coûte cher, c'est pour ça qu'on force. J'ai de la famille albanais, de la famille en Corse. Je m'arrête seulement si j'ai tort. Un ennemi, on finit seulement si on croise. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Négro, je vois tout comme Fico. Qui part commencer cette petite vidéo du vendredi, on a demi-portion qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Poids Plume et qui est disponible pour le 19 janvier 2024. Et personnellement, c'est un album que j'attends vraiment vraiment beaucoup. Puisque demi-portion, je l'écoute à fond, tu vois. Et là, son nouvel album, je vais pas le louper. J'ai hâte de l'écouter. Ensuite, on a DJ Snake qui a annoncé qu'il va faire un Stade de France pour le samedi 10 mai 2025. Et ça se passera l'année prochaine. Donc quoi qu'il arrive, je vous en parlerai. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler puisque ça fait un petit moment que j'attends et je pense que je suis pas le seul. En gros, on a vu qu'il y a GTA 6 qui a été annoncé. Et il y a une bande-annonce qui devait sortir en décembre. Et c'est prévu pour le mardi 5 décembre. Et ça sortira le 5 décembre, il y aura le premier thriller justement de GTA 6. Donc on va voir à quoi ça ressemble, etc. Et j'ai vraiment hâte de voir justement ce thriller. Ça va être une dinguerie. Ensuite, il y a quelques jours, il y a Medine qui est en concert. Et en gros, il y a son public et lui-même qui ont justement répété une phrase ensemble. Et ils ont dit « Siamo tutti antifascisti ». Et voilà quoi, en gros antifasciste, tu vois. Et bref, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, elle est en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à vous la partager, regardez. Ensuite, hier, on a vu que Booba, il était présent dans le complément d'enquête et qu'il a parlé justement de Cyril Hanouna. Et en parlant de Booba, il y a Oxmo Puccino qui lui a remis un prix lors du Grand Prix de la SACEM à Paris. Et ça s'est passé avant-hier. Et il lui a remis un prix sur scène, tu vois. Kaczorowski, qui a toujours cru en nous, c'est le seul qui nous a signé, c'est grâce à lui qu'on a démarré. Anne Zibron, sans qui je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Toute mon équipe, le 9 de I, Time Bomb, Oxmo Puccino, avec qui on a fait des 400 coups en musique. Et voilà, que dire, merci. Je pense qu'on a travaillé, on l'a mérité. Et j'espère qu'on en aura d'autres. Merci à vous. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Grégory Zawi. Puisqu'en gros, Grégory Zawi, il l'a piqué par rapport au complément d'enquête. Il a mis une photo de lui et de Jean Messia et il a dit « Aïe, les amis encombrants, Booba, Jean Messia, complément d'enquête, Tristan, Cyril Hanouna, bref, voilà quoi. » Et il y a Booba qui lui a répondu en disant « Grégory Zawi, tu sers à quoi toi en fait? Par contre, pour demander une vidéo pour la bad mitzvah de ta fille, t'es venu en courant. » Et il a mis un émoji mort de rire. Et en parlant de Booba, il se trouve actuellement devant les locaux de France TV. Puisqu'en gros, il y a une manifestation qui était prévue en soutien pour Cyril Hanouna. Sauf que Booba, il est présent sur place et il attend Cyril Hanouna. On peut voir qu'il a dit « Cyril Hanouna, déçu de toi, Baba, vraiment. Heureusement, j'étais là pour tes fans. Cyril Hanouna, avec la présence de Booba, tu es tellement lâche que tu n'es pas venu à ton propre événement. Quel manque de respect pour tes 40 fans. » Et il a mis une musique qui se tape la tête. Et il a publié des vidéos en direct de cette manifestation devant France TV. Regardez. Bon, on est devant France 2. On est devant France 2, on attend Cyril Hanouna, le grand voyou. Avec sa réunion de fans. Allez Baba, on t'attend Baba, il fait froid là. Le parrain du pape frère, t'es mort. On dirait la soupe populaire. Je vais aller me chercher un bol de soupe. Le para. Ouais, dis bonjour. C'est pour B2O Télévision. Il est où? Il arrive Cyril ou pas? Ah, je sais pas. Il est en retard, hein? Ah, je sais pas ce qu'il fait. Ah, dis donc, il fait froid, hein? Hey, il fait froid, mon gars, hein? Il fait froid. Ah, elle est incroyable, cette manif pour Baba. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose ce Baba. C'est vraiment quelque chose. Hein. Il a pris sa photo maintenant et il dit fais sois pas jaloux. Ouais. Alors qu'il a demandé une toffe. Ouais. Il y a du monde. Hein. Il sera ton tour bientôt Booba. Ouais mais il est où Baba? Baba, il est en route là, il arrive. Ah. Il a peur. Il a peur? Non. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On est venu en paix. Le visage. Hein? Ça serait...
Que le message est... Mais on l'attend déjà. C'est lui qui doit faire passer un message. Tout à fait. Bon. C'est moi qui donne le truc. Hier c'était pas mal. Il manquait un peu de croustillant, mais c'est parce que beaucoup de gens ont peur de parler parce que c'est un semi-mafieux, donc il intimide des gens, mais la vérité sortira. Mais très bon sujet. Mais la vérité c'est quoi? Qu'est-ce qui manquait pour toi dans cette émission? Je peux pas en parler sans avoir les éléments. Mais il manque beaucoup de choses. Là tu vas le voir, qu'est-ce que tu vas lui dire si vous parlez là? C'est quoi l'idée? Déjà on aimerait bien qu'il arrive déjà. T'es déçu que celui-là soit pas venu? Non, ça confirme ce que je pensais. Et tu pensais quoi? Bah que c'est un faux voyou, une fausse racaille, un faux mal alpha, et qu'il a que du bluff, que du vent, et il a juste la haine de s'être fait démasquer hier. Et il est frustré, donc c'est que de la propagande. Regardez, il y a 15 personnes, 4 danseuses. Et il respecte même pas son public, il est même pas venu. Est-ce que tu es content du complément d'enquête? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as apprécié? Je suis content du complément d'enquête, je pense que c'est un bon carton rouge et que c'est le début de quelque chose. Et que d'autres gens qui n'osent pas parler vont parler et que ça aboutira à d'autres choses. Tu as parlé hier dans le complément d'enquête, à la fin. Pourquoi aujourd'hui tu es venu à cette petite fête? Je suis venu pour voir ce qu'il avait dans le ventre et voir ce qu'il allait faire. Et je suis venu aussi parce que la dernière fois, il m'a fait des menaces déguisées et qu'il a dit que quand on était dans la même ville que lui, il fallait se contenter de parler de lui sur Twitter et de fermer sa gueule. Donc je suis venu sur place à son rendez-vous auquel il n'est pas venu. Voilà, il y a 40 pèlerins et c'est pour montrer que c'est que de la propagande et que c'est le parrain de rien du tout. Et tu voulais en découdre ou tu voulais juste lui faire la bise? Non. Qu'est-ce que je tire pas sur les ambulances, moi je vais pas me battre avec Cyril Hanouna. Je suis venu sur place faire face à Baba qui n'est pas là, c'est tout. Au moins j'ai gratté un petit café et là je rentre chez moi. Merci les gars. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Ça tire pas blanc, vers chez nous c'est réel. Je suis parti en balade, j'ai croisé la banale. 100 grammes de bœuf calé sur moi. Je vais skill contrôler, j'étais mon sur Paname. Je suis vénère, j'ai plus le temps pour plaisanter. Écoute bien parce que c'est le dernier Montana au Pinel. C'est un petit qui va te planter. Je traînais dehors, j'avais pas l'âge. Quand c'est la guerre, faut investir une calage. Quand y'a une merde, faut parler en cash. Donc voilà le kit, ouais, je sais même plus comment on le fait. Ah ouais, si c'était ça, ouais. Donc voilà le kit, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement si tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un 2, 3 pour l'heure. C'est juste pour référencement. Ouais, 1, 2, 1, 3, puis voilà, ouais, t'as capté quoi. Donc voilà le kit, ouais, j'ai pas d'intro qui sont prévues comme d'habitude. Ça va être une intro que je vais mettre dans plusieurs vidéos, tu vois, puisqu'en fait, ben. Tout ce que t'as vu là au début de semaine, les lundis, mardis, mercredis, etc., c'est tourné dans la même vidéo, tu vois. Donc là, j'ai pas vraiment d'intro pour cette fin de vidéo. Enfin bref, je suis déjà sorti pour une grosse sortie de mes vidéos et une nouvelle esprit. Et je vous casse pas plus les couilles. Peace les gangs. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la nina. J'mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula, moula, moula. Moula, 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 Roma, moula, 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 mo